Alors bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous faire visiter le sanctuaire de. Enfin en vol, vous faire visiter le sanctuaire de Fatima. Mais avant, regardez donc voir. Ah, petit pain au raisin. Le premier depuis mon aventure. Voilà, à tout à l'heure. Donc alors aujourd'hui nous allons visiter tout le sanctuaire. Donc on arrive sur l'esplanade. Ici, c'est la chapelle des apparitions. Alors, il est très tôt ce matin et il y a déjà du monde.
D'accord. Alors, à côté de la chapelle de l'Apparition, il y a un arbre là que l'on peut voir. C'est le seul arbre qui reste de l'époque. Et Marie est apparue juste ici à côté. Donc il faut bien s'imaginer la scène. Bien entendu, il n'y avait pas la terrasse qu'il y a tout autour. À l'intérieur, il reste encore la petite chapelle qui a été construite. Alors, il y a toujours des petits phénomènes que l'on peut remarquer. Au milieu de la brume, au-dessus de la chapelle des Apparitions, il y a toujours un petit coin de ciel bleu. Il y a toujours ces phénomènes un peu que l'on peut ressentir. Vous voyez ? T'arrives bien à faire des... Moi, ça marche pas trop. Les... Ah, si, c'est le phénomène qu'on attend toujours quand on vient voir la Sainte Vierge. C'est inhabituel. C'est juste au-dessus de la chapelle des Apparitions. Mais il faut bien les regarder parce qu'en fait, on pense que c'est normal. Le soleil, il est là, évidemment. Mais regardez un peu ce que je peux, moi, décrire comme une apparition, comme un signe.
jouer. François fut très impressionné par un reflet de lumière pendant cette apparition et disait: nous étions en train de nous enflammer dans la lumière qui est Dieu et nous n'avions pas l'impression de brûler. Pour nous a commencé une vie compliquée. Alors ici, dans ce grand bâtiment, nous avons une très grande salle, où c'est une très grande église, où on peut mettre des milliers de personnes. Voilà, j'ai terminé la visite de la première journée. J'espère que vous aimerez. Elle est un peu particulière parce qu'il y a eu des phénomènes intéressants ce matin. Et je suis très heureux de vous les avoir partagés. Donc demain, nous allons faire la visite du chemin de croix que faisait donc Lucie, entre Lucie, Jacinthe et Francesco. C'est un chemin qu'ils faisaient entre leur maison et la chapelle des apparitions. Donc vous verrez, c'est très intéressant. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous embrasse. Ici les amis du Perrin. À vous les studios.